Bonjour Johan. Bonjour. Qu'est-ce que tu as sur le nez, Johan? Comme tout le monde. Comme tout le monde. Bon, on va faire avec alors. Donc, on va faire une nave avec un déroutement, puisque c'est un peu le but de la manœuvre. Ouais. Et comme on est allé balader ici récemment, là, tu vois, regarde par ici, il y a quelque chose d'intéressant à voir au sol. D'accord. Donc, ce que je te propose, ben, en fait, on est dans l'axe de la nave, hein, sur un 130 au lieu d'un 120. Donc, rapidement, en fait, bon, on s'en fout finalement, parce qu'on vise la partie nord du lac, Gratte-Sarment-Villiers. Ensuite, la radiale Coulommiers, c'est 0,66. Donc, en gros, on essaye de la suivre. Ouais. Et avant la ligne de chemin de fer, quand on arrive au niveau de la forêt ici, on part vers l'est, d'accord? Et là, il y a un petit patelin. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le patelin lui-même, c'est juste au nord. D'accord. Donc, en fait, on ira comme ça. Et après, une fois qu'on l'aura passé, hop, on vire à droite. On essaye de rejoindre la 0,66, en fait. Et sachant que ici, tu vois, là, pile ici, là, t'as l'obélisque. Okay. Donc, en fait, ça veut dire qu'on fait du 0,90 quasiment. Dès qu'on a passé ce que je veux, hop, on reoblique pour prendre le 0,66, de manière, en fait, à avoir l'obélisque à droite. Qui fait je prendrai une photo ou deux ici, puis une photo ou deux là. L'obélisque c'est ici, juste là, l'obélisque est là. D'accord. Il est juste là. D'accord. Sur la route, en c'est ça, voilà, c'est l'intersection de la route. Ouais. Ok. Donc, Donc là on part sur du 131 exactement. Enfin 130 quoi. Ouais. On vise le lac de toute manière. Alors pas le lac qui est au nord, hein, vraiment le lac qui est au sud, celui qui est proche de Grèce. 130. Hein. Voilà, ensuite, un 130, 0, ensuite 66. Un 0,66. De toute façon ça je te le redirai. Hein. Pendant peut-être une minute, le temps que j'observe. En fait, juste avant qu'on passe sur la zone de forêt, on oblique à l'est. Ok. D'accord. Et on visera un petit patelin qui est derrière la forêt ici. Ok. Et moi, c'est juste 500 mètres, 1 km au nord. D'accord. Donc de toute manière, dès que je le verrai, alors toi évidemment, tu feras en sorte que je l'ai ici. Hein. Clac. Et une fois que je l'ai, on prend quasiment vers le nord, tu vois, ou un bon 30 degrés, de manière à être sûr d'intercepter l'obélisque qui est juste derrière. D'accord. Puis après on reste sur la... Alors une fois qu'on aura passé l'obélisque, donc on sera passé au-dessus des... en dessous des 1500, on est là. Une fois qu'on a passé l'obélisque, on monte 2004 pour une verticale Coulommiers. D'accord. J'ai regardé, les planeurs, c'est 2200. Ouais. D'accord, donc ce qui fait que jusqu'au moment où on grimpe, je resterai en fréquence avec l'ogne pour écouter les trafics, sachant que nous, l'altitude d'évolution que j'aimerais bien, c'est 1100. Ok. C'est pas en dessous puisqu'on a les 600 plus le 500. Hein. Ok. Voilà. Si tu préfères un 1200, enfin 1200, mais 1200, en fait. Voilà. Mais disons que ce que je m'étais dit, c'est qu'à 1100, on était 100 pieds en dessous des retours. Ouais. Ce qui fait que ça laissait une petite marge. Ah, en fait. Ok, c'est vrai. Okay. Et donc, et en même temps, on est encore dans les bonnes marges là. Ouais. Sachant qu'en fait, ici, on va à l'est. Hein, donc, normalement, on est bon aussi. D'accord. De toute façon, le secteur d'évolution 1100, il se couvre à la sortie ici du lac jusqu'à l'obélisque. Hein. Après, on regrimpe. Hein. Oui, mais c'est la même. Oui. Ceux qui sont ici, nous on est là à 1100-1200. C'est ça, voilà. Le retour, ils retournent sur l'autoroute. Et le retour, en fait, il peut y en avoir qui sont ici, il y en a qui sont là. Parce que s'il y en a qui arrivent de novembre, ils sont à 1200 ici, on les croise là. Donc c'est pour ça qu'on est en 1100. D'accord. On est en dessous, en principe. Ou alors si on est tout sympa ou si tu préfères, bah, tu te mets à 1400 et tout ça. Ah non, à 1900. Voilà. Si on est sur la fréquence de temps. Ouais. De toute façon, ouais, je leur dirais que je reste sur la fréquence jusqu'à ce qu'on soit passé sorti de la classe de là, enfin qu'on soit jusqu'à Morcerf. Quand on voit Morcerf, c'est bon. Hein. De toute façon, l'obélisque, on ne pourra pas le rater vu que c'est la Nationale 36, là, difficile de la louper celle-là. D'accord. Et puis après, une fois qu'on sera dans le secteur de ici, je te donnerai une route. Ouais. On la suivra en gros, et puis je te dirai, alors ça c'est vers le nord, ça c'est vers l'est. Quoi. Tu auras la surprise. Hein. Donc, checklist mise en route, visée, prévol, effectué, barre traction, enlever document avion, enlever disponible, je les ai mis, ils sont là, horamètre, je l'ai noté, siège réglé et verrouillé à gauche, et les trucs traditionnels, déjà, volet de rentrée, sélecteur essence ouvert, réchauffe carbu poussé et verrier, mélange riche, toute servitude électrique c'est off, fusible vérifié, contact batterie sur on, autonomie, on a dit on a 2h30 d'autonomie à partir de 13h30, 15h30, 14h15 à tarif max 16h.
Allez, 3, 2, 1 pour l'audio. Maintenant. Ok, l'audio est démarré. Ça roule là. Combien d'autonomie, alarme test. C'est beau. Il faudra faire un essai avec ça quand même. Balise de détresse sur Arnd. Feu anti-collision, il ne marche pas. Verrier arrière non verrier. Le moteur ceinture non attaché. Le moteur est froid, je vais mettre la pompe sur on. Numéro 3. Manette de gaz, 5 injections. 1, 2, 3, 4 et 5 injections. Peut-être mettre le casque aussi. Pousser 1 cm, là c'est le bois. Il y a personne et je démarre. Ça a l'air de fonctionner. 1, 2, 3, 1. Un peu plus que ça, voilà. Allez, 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 un petit effort encore. Ouais, ça m'a l'air d'être bon là. Voilà. Tu m'entends bien également? Ah oui. Bon, ben c'est nickel. Très bien. Donc, la mise en route, c'est fini. Donc, après mise en route, donc chauffage moteur 1200, alternateur, il est sur on, charge batterie, ça monte dans le plus, la pompe électrique sur off, avionique master sur on, éclairage de bord, pas nécessaire, dépression gyro, c'est ok, ça c'est continue. Ça c'est continue. On va monter première altitude, on a dit à 1500 pour le moment, et le premier ligne, tu m'as donné 130. Pour le moment, je vais essayer de circuler 262. Ouais. Et puis je vais enlever la veste parce que... Ouais. On va mourir de chaud avant la fin. On va écouter la 10, 125, 025. Avec November Hotel, unité 0, unité 0, coucher du soleil, 19h48 UTC, informel, le premier contact, que vous avez reçu information Fox, merci. Good day, this is London Fox, recorded at 1120 UTC, runway news 26, caution, earth cable, fuel pump number 4, unserviceable, and burn hazard. Wind 230 degrees, 4 knots, viable 190 degrees, 320 degrees, visibility 10 km, temperature 16, Quebec November Hotel 1010. Sunset 1948 UTC, thanks to Inform Line at first contact, that plus information Fox. Bonjour à toutes et à tous, ici Line Information Fox, enregistré à 11h20 UTC, piste en service 26. Attention, câble de masse, pompe numéro 4 hors service, risque aviaire. Vent 230 degrés, 4 nœuds, variable 190 degrés, 320 degrés. Visibilité 10 km, température unité 6, Québec November Hotel, unité 0, unité 0, coucher du soleil 19h48 UTC, informel le premier contact que vous avez reçu information Fox, merci. Indice noté, altimètre de secours, ceinture attachée à gauche, tout fait à droite imminent. Attaché à gauche. Voilà. Voilà.
Ouais, tu fais la radio? Ouais, attends, elle est où ma carte? Je l'ai pas de sortie. Ah, c'est bon, elle est là. Tu me diras, j'ai l'autre, mais quand même. Je l'ai reçu, autant s'en servir. Alors. Mot, c'est tout à l'heure. Peut-être, peut-être pas. Compiègne, ce dernier. Non, voilà, mot, c'est le bon côté. Ok. Alors, l'information, quoi, j'ai pas entendu. Fox. Ah oui, Fox. Daniel Sol de Fox Novembre Alpha, bonjour. Novembre Alpha, une seule, bonjour, j'écoute. Daniel Sol de Fox Golf Novembre, Novembre Alpha, DR400, deux personnes à bord au parking, c'est-à-dire avec l'information Fox, demande de roulage pour un vol secteur Est, vol local. Fox Novembre Alpha, 3720 au transpondeur, roulez point d'attente, piste 26 dur et rappelez prêt. 3720 au transpondeur, on roule point d'attente 27 dur, on rappelle prêt, Fox Novembre Alpha. C'est bien la 26 dur, Novembre Alpha. 26 dur. 26 jours, pardon. Qu'est-ce que j'ai raconté comme connerie? T'as dit 23. Ah oui, d'accord, on commence bien. Allo, New Sol de Fox Golf Mike India Papa, bonjour. Fox India Papa, New Sol, bonjour, je vous écoute. India Papa, Cessna 172 au parking Paris Aéro. Deux personnes à bord, information Delta pour un vol local. Fox India Papa, 3721, transpondeur, roulez point d'attente, piste 26 dur et rappelez préhens dans le passage à Robin sortant de Tango Unité vers le point d'attente. Fox India Papa, transpondeur 3721. À gauche, hein. À gauche, oui. Et on laisse passer le Novembre Alpha pour India Papa. Bonjour à tous. Bonjour Patrick, oui c'est correct. Bonjour Quentin. Ah tu... Ça me fait beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. T'as vu hein, c'est post-confinement en plus hein. Ouais, je vois que t'as dû nous enregistrer et bosser pendant le confinement. Bah tu devines. Ok pour la technique. Ah, il fait pas froid hein. Ah non. Mais c'est ça qui ramène l'orage hein. Ouais. Je regarde derrière pour le moment. Il n'y a que dalle. Enfin. Rien de bien visible quoi. Alors, aura. À 0,8 sur le ramètre. 0,8 départ. D'accord, ouais. Moi j'avais vu un 0,9. Alors on va pour un 0,8. Donc, essai moteur, relais de données dans l'axe, train de parc serré, sélecteur essence sur ouvert, pression d'huile dans le verre, la température pas encore dans le verre. Attends, on va rechauffer un peu. Les pressions de l'essence dans le verre. Commande tune et sur les freins. On va descendre derrière, on va mettre plus. À gauche. Je perds 100 tours. Bon. J'ai les 1800. Droite, je perds 60, 50 tours, bon, 800. Réchauffe, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, quand on attend un peu ou quoi?
Comment? Il n'est pas encore assez chaud ou c'est moi qui suis mal en face? Non, pas assez chaud, on va attendre. D'accord. Ouais, on va attendre encore. Ben, on va attendre. Alors oh, c'est cool ça. Allez, c'est trop chaud, elle était trop rapide. Ouais. Je m'y dis maintenant. Il marche pas. Ah bon? Il peut pas. Ah oui, effectivement. Salut, Sol, bonjour du Fox, Casque Gilet de Golf. Gilet de Golf, bonjour. Salut, Sol, Fox, Casque Gilet de Golf, un DR400 à la pompe, une personne à bord pour un vol à destination de la Ferté Gaucher, devant de roulage pour point d'attente de la piste 26, information de ta copie. Gilet de Golf, 3722, transpondeur roulé point d'attente, piste 26, durée rappelée prêt. C'est dans le transpondeur, on prend un transpondeur à peu près pour info, ce que vous avez un vol solo supervisé. Bien sûr. Bon, attends, on n'est pas prêt, hein. Non, non, c'est pour dire qu'on attend le chauffage. Ah non, non, c'est pas encore le, c'est pas... Ouais, t'as pas encore fait les briefings. Non. Avant décollage, serrage de frein de parc maintenu, contact magnéto sur bois, batterie sur on, alternateur sur on, chargeur alternateur, c'est bon. Et ça, c'est bon. Réchauffe carbu, poussée et verrouille. Fin riche. Sélecteur autonomie, on a 2h30 d'autonomie. Altimètre, il y a 1 hectopascal, à peine 1 hectopascal, 1010, 1010, ça même pas. Horizon artificiel, ça me sur les. À gauche, pardon, les genoux. À gauche, ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Et libre et dans le bon sens. Compensateur, sur note. Pompe électrique sur point, volée, un cran de volée, allumé, sorti, et symétrique, derrière, verrouillé, éjecteur, en place, ceinture attachée à gauche, attachée à droite, pression d'huile, c'est bon, température, c'est presque bon, pression de, d'essence, c'est bon, la batterie, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai ça c'est bon, ça sur neuf, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, tout est bon. Donc, on va décoller sur la piste 26, monsieur. Aligné, je l'irai, route 262. Rotation à 54 nœuds. Je refierai la puissance 2200 tours minute minimum, rotation à 54 nœuds, montée initiale 70 nœuds. À 700 pq/h, je rentre les volets 80. Je vais le laisser accélérer comme il est un peu mou en ce moment. Donc, premier virage à droite, je monte directement à 1500 et on va prendre une route directement. On fait une verticale, non, une verticale. Une verticale. Verticale, route 130. Enfin, 120 au début, 130 rapidement vers le lac de okay. Gretz, la pointe nord du Gretz. Ok, ça roule. C'est, la lac, c'est le lac où on passe dessus quand on va à Nangis. Ouais, c'est ça, voilà. Okay. Alors tu auras le petit lac à ta droite, ouais, et toi tu vises la pointe nord du lac qui est le plus près de la ville. Je vois. Donc, premier contact avec la tour, je demanderai une verticale. De toute façon, je vais la demander la verticale. Oui, c'est toi qui vas demander. Premier contact, tu demandes la verticale. En cas de panne, alors avant 54 nœuds, je réduis, je freine, je sors. En cas de panne mineure après rotation, je ferai un circuit adapté main droite pour venir sur la piste 26. En cas de panne moteur, je pousse sur le manche, la vitesse de finesse max, c'est 73. Donc, encore une petite minute, c'est bon, on est presque prêt. Je laisse les diapapas partir avant nous. D'accord. Donc, moi je suis prêt, j'en ai fait ça, on a fait ça, j'ai tous les instruments. Ça, c'est tu bon. L'avais mis à 1400 pour le chauffage, c'est ça? C'est bon, on est en terre. Foxy, papa, René Tour, bonjour. Aligné vos pistes 26 dur, autorisé décollage en 270 degrés 7. Ah, on était. Je crois pas. Non, j'avais échangé. C'est bon, on est prêt. Bonne sol de Fox, novembre Alpha, point d'attente 26 dur, nous sommes prêts. Novembre Alpha, maintenez avant point d'attente, éveillez la tour 110 décima 6, à tout à l'heure. Nous maintenons avant le point d'attente et on veille 110 décima 6, à tout à l'heure.
à ça. C'est un 172 ça ou un 182? November Alpha, le New Tour, bonjour, les niveaux piste 26 heures et attendez. On s'aligne 26 heures en attendant. Prochain message, je te demande au vertical. Ouais. Il sera 32. Alpha piste 26 dur autorisé décollage vent 290 degrés sinueux. 26 dur autorisé décollage Fox November Alpha. Ce sera pour une verticale 1400 pieds sortie vers le sud-est. Verticale approuvée November Alpha. Verticale approuvée November Alpha. 32. Distance disponible. Mana actif. Les instruments sont dans le vert. Et rotation. Je crois que si Diamapa en descendant sans vertier, une verticale 14. Si Diamapa, verticale approuvée. Si Diamapa. C'est Juliette Golf, le New Tour. Bonjour, les niveaux piste 26 dur autorisé décollage en 290 degrés, c'est peu. Bonjour, c'est ligne 26 dur autorisé décollage, Fox Juliette Golf. Rebonjour du Fox Bravo Victor, Juliette Alpha. Fox Juliette Alpha, le New Tour, rebonjour, 33h37, on rappelle l'écho. 37h31, on a copié Fox, on rappelle l'écho. Fox Juliette Alpha. La Québec, le New Tour, bonjour, les niveaux pistes 26 dur et attendez. 36 dur, on attend Fox, la Québec. Québec, piste 26 dur, autorisé décollage en 290 degrés, c'est peu. Autorisé décollage 26 dur, pour le 5 Québec. La verticale approuvée, hein. Verticale approuvée, 1400. Fox et Diapapa en sortie pour quitter. Diapapa, transpondeur 7000, quitté, à tout à l'heure. Fox et Diapapa, transpondeur 7000, à tout à l'heure, monsieur. Juliette Alpha, exécute approche direct 26 dur, numéro 1, rappel final. Juliette Alpha, approche direct 26 dur, rappel final, Juliette Alpha.
c'est le petit. Donc c'est celui qui est à droite, je pense, là. En face de nous, on a la ville a... qui est derrière, là. Ouais. Donc arrivé à ce niveau-là, 0,66 à gauche. Ouais. La forêt qui est là-bas, et je pense qu'on devrait aller quelque part là-bas. Ok, les lieux de tension. Novembre Alpha, transpondeur 7000, vous pouvez quitter, à plus tard. Transpondeur 7000 pour Novembre Alpha, on reste en fréquence encore 2-3 minutes pour une évolution 1100 pieds vers Coulommiers. Reçu. Donc je pense que là tu peux commencer à descendre, parce qu'après sinon on va virer et ça va tout faire rapidement. Je vois pas d'appareil en vue. Donc tu vises bien la partie nord et tu te rends sur un 0,65. Juliette Alpha, piste 26, j'ai autorisé l'atterrissage, vent 250 degrés, c'est à 12. Autorisé l'atterrissage, piste 26, Juliette Alpha. Donc tu vois la forêt, le champ qui est dégagé là. Oui. Donc quand tu es sur le 0,65, tu vas dessus. Et quand tu arrives à la lisière de la forêt de l'autre côté, tu prends un 0,85. Ok. Voilà. Ça va durer quoi 30 secondes et on sera à la verticale de ce que je cherche. Qui doit être derrière là-bas. On voit le petit château d'eau. Ouais. Voilà, tranquillou. Personne à droite. Pas d'appareil. Voilà, voilà, voilà. Ok, tu vises l'entrée du champ là, et après tu prends vers l'est. Je vois le patelin qui m'intéresse. Juliette Golf, transpondeur 7000, vous pouvez quitter plus tard. 7000, on quitte Juliette Golf, tout à l'heure. Ok, va gentiment vers l'est, pas trop vers l'est, 80 maximum. Je pense que ce qui m'intéresse, c'est devant nous en face là. Ok, reste là maintenant. Ouais, ça a l'air d'être ça. Tu vois, c'est un petit hameau qui est juste là à droite là. Ouais. Donc quand tu passeras le hameau, que tu arriveras sur la forêt, je te dirai top, tu vireras à gauche sur du 0,30. Ah. En gros, tu vises là-bas. Mais pas sans y aller. Mike Québec, transpondeur 7000, vous pouvez quitter tout à l'heure. C'était pour Mike Québec. Confirme. Ouais, donc 7000, on quitte tout à l'heure sur Mike Québec. Alors attends, je cherche. Non, alors c'est pas celui qui est là, c'est celui qui est à droite là-bas, là où il y a le champ triangulaire. Ouais, il y a les groupes de maisons. Oui, parce que c'est pas celui-là, donc c'est celui qui est à droite là-bas. On a les baraques. Non, non, c'est bon, vas-y, reste là, ça me fait bien. On est à la bonne longueur. Ouais, c'est ça. Voilà, je vois la tour, elle est juste à droite là. Par contre, il y a des maisons, enfin des arbres. Très bien, Johan, c'est nickel. Allez, j'allume et on verra ce qu'on a après. Ok, plein 4, c'est bon, super. Encore 20 secondes. C'est magnifique. Excellent, tout quoi, c'est la petite maison à droite. Ah. Ok, c'est bon, allez, 0,30 à gauche. Et l'obélisque, il est quelque part à droite là. On va intercepter avec là. Il doit être en dessous là. Il est peut-être à l'obélisque. Là ou là-bas. Non, il est à droite, c'est bon, vas-y. Légèrement à droite, il est là. Ah.
marquage, tu vois. Enfin... Bon, non, ça, si vous êtes toujours à l'écoute, c'est un autre Robin, travers gauche, un nautique convergent gauche-droite. 1400. C'est super, non? Je t'entends ça. Donc là, tu peux reprendre la radiale Coulommiers. On va direct vers elle. On attend un tout petit moment. Elle est où, Coulommiers? Quelque part en face, là-bas. Ah, tu vois, on n'est pas encore... Si on est sorti, là, c'est ça la zone? Non, c'est la route, je pense. D'accord. Ok. Donc tu peux remonter 1500 pieds. Ok, on a la voie de chemin de fer dessous là. D'accord, donc on n'est pas encore sorti. Si on a la voie de... Ah ouais, génial. On a la voie de fer là. Si on a une voie de chemin de fer ici, là. Voilà. Clac, clac. Mort surf, il est de ton côté ou du mien? Là, ici. Bon, si c'est mort surf, on peut grimper alors. Daniel Sol, Fox, Novembre Alpha, donc on quitte effectivement votre fréquence, on passe avec Coulommiers. Vous n'aviez pas reçu mon précédent message, Novembre Alpha? On avait entendu parler d'un DR-400, sur notre gauche, on n'a pas vu d'appareil. C'est... Ah, c'était bien à nous alors. Ouais. Donc là-bas, Coulommiers. Ok, je passe en fréquence avec Coulommiers. Donc 2400. Le terrain est en vue. Ouais, pas qu'elle passe avec ça. Coulommiers de Fox Novembre Alpha, bonjour. Coulommiers Fox Golf Novembre Alpha, DR400. En provenance de votre sud-ouest, en montée actuellement 2000, montée 2400 pieds pour un transit vers votre nord-est, vers aux environs de Jouarre. Terrain en vue. Il y a un avion là. Et toi, non, c'est une voiture, non Ah là, je le vois pas. Le milieu de Brian qui est en vent arrière sur la 27 centrale. Ok, bon, alors il est en dessous. Ouais. On a des ailes, ouais. De... Visuel sur l'appareil qui vient de parler à Coulommiers. Autogire November Oscar, on arrive en début de vent arrière 27. ULM, on sortira secteur nord, fin de vent arrière. Alors vous êtes sans sortie en direction de l'avion, c'est en fréquence en bas. Ok, visuel là-bas. Donc là, quand on sera à la verticale, tu prends un 0,50. Et il est 40... On est vertical 2500 pieds. Ouais. Un message. Ouais. Coulommiers du Fox Novembre Alpha, vertical 2500 pieds. Nous transitons donc vers le nord-est. Ah, il y a des appuis. Je viens d'avoir bord Oscar, 5 contre arrière, 27 ULM, on vire à gauche, fort, secteur nord. Coulommiers de Brian qui en vitesse de base pour la 27 centrale. Ok, 45. Et on va où maintenant? Donc on va au 0,40, au 0,50 à peu près là, donc on est bien. Tu vas me dire si tu reconnais, si ça t'évoque des choses. On en a pour un petit moment avant de faire l'exercice. Hein. Derrière c'est bien dégagé. Ah, il y a un appareil qui est à peu près à la même hauteur. Ah. Le mis à droite. Il y a un autre là. Ouais. Le mi de qui en finale pourra toucher en 27 centrale.
Alors, ça donne quoi ce truc là? On va vers Château-Thierry là. C'est ça. Globalement, ouais. Enfin, attention, j'ai dû un mètre intégré au niveau de mes ontelles. Donc en fait, ce qui m'intéresse, moi, ça sera d'avoir la Marne en gros sur ma droite. Et juste en dessous, là, il y a des petits patelins, j'ai envie de les prendre en photo. Donc si tu peux dériver un tout petit peu à gauche, là-bas. Je vois pas la Marne encore, elle est où? Ah ben, c'est celle qui est devant nous, là. En fait, là, c'est la Ferté-sous-Jouarre. Oui. Et t'as, pas la Marne, si c'est la Marne. Qui passe, là. C'est la Marne qui passe, là. Faut pas la Grande Rivière. Hein. En tout cas, oui, je vois pas un courant d'eau, là. C'est où, Non, non, ben, c'est là, en fait, elle fait comme ça, là. Tu vois, là, elle est au centre, dans la forêt, là. Ah, ben, ok. Donc là, c'est la Ferté-sous-Jouarre. Ça tombe bien, on a du temps à peu près clair au moment où on passe. Là. Voilà, c'est bien comme ça. Je me dis, je redresse quand tu vas prendre la photo pour être content. Voilà, c'est bon, maintenant tu peux repartir vers le nord là-bas. Enfin, là-bas. Enfin, vers le vrai. Alors, ces petits patelins, ils sont où? Ah, par contre, il y a des gros trucs là. Voilà, tu peux prendre 30 degrés à droite. Donc on a un nouveau CU à 3000. T'as vu, ils étaient annoncés, ils sont là. Ouais. Et ils sont en scatter. Ouais. Donc là, il y a le Morin en dessous. On en sait bien là, comme ça. Là. Donc là, il y a Saint-Cyr-sur-Morin en dessous. Belle petite randonnée à faire. Si tu as tête un jour, je te donnerai le... Voilà. C'est mignon tout plein. Il y a encore une quinzaine de kilomètres. Ok. Max Québec avec Seine et 7000, au revoir. 134 francs, ok, merci, bonne journée, au revoir, François Québec. Au revoir. Paris Information de Fox Novembre Alpha, bonjour. Novembre Alpha, allez-y. Paris Info, le Fox Golf Novembre, Novembre Alpha, DR 400, deux personnes à bord. En provenance de Logne pour un vol local secteur Est dans les environs de Château-Thierry dans l'immédiat, 2500 pieds pour passer en fréquence avec vous. 7-0, unité 0. 7-0, unité. 7-0, unité 0. Transpondeur 70-10 pour Fox Novembre Alpha, affiché. Ok. Très bien. Donc là, on a la Marne. Alors en fait, tout à l'heure, c'était le Morin. Là, maintenant, c'est celle-là, la rivière dont je te parlais. Ah, et Ferté-sous-Jouarre qui est juste à gauche. Voilà.
t'as vu, ça fait des petits hameaux partout là, en plein champ, c'est bien ça. On est vers là, hein. Ouais. À peu près, ouais. Regardez, ouais. C'est ça, dans ces eaux-là. Donc là, mets-toi plutôt sur un 0,50 encore. À 3000 la base, ouais. À 3000 la base des nuages, ouais, à peu près, c'est ce que je dirais aussi. Ouais, ça tombe bien. J'ai prévu de novembre Alpha, je vous écoute. Vos intentions, c'est vous allez dans la zone de scène, vous allez jusqu'où? Donc, on reste 2500 pieds. On fait une évolution dans le secteur est de Château-Thierry. D'accord, donc probablement vous n'irez pas dans la zone de scène. Non, non, on va rester en fréquence avec vous, et après on passera sur 125.7 probablement. D'accord. La vache, on est juste dessous une grosse masse, là. Ah, il fait un peu. Ouais, ah oui. Va voir un petit peu les vignes qui sont par là-bas, s'il te plaît. Paris Info, bonjour du Fox, Caldwell, Juliette Golf. Juliette Golf, allez-y. Paris Info, Fox, Colgol, Juliette Golf, un BR400, de retour de la partie gauchère, destination Logne, on est à 2000 pieds, une personne à bord. C'est la ville de Château-Thierry, c'est ça. C'est noté, 7-0, unité, unité. En standard 7-0, unité, unité, Fox, Juliette Golf. Ah ouais, donc t'as vu, il est bien gros, bien fort là, bien dense, donc il dégueule un petit peu. Hein. Oui, juste très local là, dans 2-3 ouais. Minutes on repart. Ah ben même pas, ouais. Ça vaut la peine de faire une petite photo ça. Par contre, pour le coup, tu sens la température? Oui. Ah, dis donc, elle a chuté. Hein. Ah. À l'extérieur, c'est 11. Hein. Ouais. Ça, c'est génial ça. Ah, c'est la première fois, j'avais pas connu ça encore. Ah. Sous un nuage comme ça avec une petite pluie là. Ah. Enfin, un gros nuage bien noir, je veux dire. Mais oui, bien, bien isolé quoi. Ouais. Bon, juste vers à droite, je vais éviter la ville. Oui, bon, bon, on va passer au large, hein, de toute façon. Ouais, par là c'est un peu vallonné et tout, c'est joli à voir. Ouais. Et Château-Thierry, la ville, hein, même j'ai visité la ville est très belle. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Ouais. Voilà, je fais deux photos à chaque fois. Comme ça, avec un peu de bol, il y en a une des deux qui est... Je reprends... Route Nord. On est bien, là, on est bien, là. 0,45, c'est nickel. Et on est passé dessous. Voilà, ça y est, il est derrière. Donc là, on est passé là. On va aller vers le bord de... Là, c'est vers Châtillon, on va arriver à Châtillon. C'est ça. Il est pas loin.
Là c'est bon, 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 tout est bon. Ah, belle vue de Château Thierry encore là. Ouais, info du Fox Gilet de Golf, on descend à 1500 pieds. Là, on rentre pas avec cette info ici. Ouais, on va rester chez nous, c'est Ferrigny, on va marcher certainement avec le Fox Gilet de Golf, on descend à 1500 pieds. Il a te demandé, ah oui, tu veux pas passer avec eux? Bon, ben il va nous gérer pour ça, je pense. Il a posé la question, tu l'as dit non, je veux pas basculer avec eux. Si, j'ai dit non, pas avec 123. Il y a deux fréquences en fait. Là, on passe sur une 120 décimale 3 quelque chose. Ouais. Et il y a la 125.7 qui est pas loin. D'accord. Et donc, quelque part en face, on a Reims en principe. Alors, où exactement? Clac. C'est dans l'axe normalement. Non, c'est pas dans la carte. Hein. Paris Info de Foxtrot de Victor, bonjour. Bon voilà, en fait on est là pour admirer le paysage. Oui, monsieur, bonjour. Ouais. Fox Golf India Romeo Victor, un PA28 en provenance de Logne pour de la Mania à l'est de Fontenay-Frézenis pour intégrer vos services. Et après vous rentrez à Logne? Affirme. D'accord, 7-0 unité 2. 7-0 unité 2 au transpondeur, Fox Romeo Victor. Novembre Alpha, vous êtes dans la zone de Seine. Novembre Alpha, répétez s'il vous plaît, Novembre Alpha. Novembre Alpha, vous êtes dans la zone de Seine. Quelle fréquence? 120.32 si vous voulez contacter. Merci, on quitte la fréquence, merci. Oui, 7 de Fox, Novembre Alpha. En fait, on va évoluer dans le nord dans 2 minutes. Donc on va passer en fréquence avec vous sur 125.7 en principe. Reçu, monsieur. Voilà. Okay. Romeo Victor identifié. Tiens. Romeo Victor identifié, merci. Viens de regarder, t'as vu toutes les vignes là? Mais là, on est là, tu m'as mis ici. Ouais. Le vent est là, on continue vers le nord. Ouais. C'est plutôt par là, non? Ouais. On va évoluer vers le nord, en fait. C'est pour ça que je te disais ce matin, à un moment donné, les nuages, je voyais qu'ils étaient vraiment dans la partie basse, ouais. Vraiment au sud de Coulommiers, toute la partie orageuse. Donc moi, je ne me faisais pas de soucis avec ça. Bon. Alors là, c'est peut-être bien, on arrive là où j'avais envie d'arriver. La ville de Reims, ça va être non par là-bas? Je sais pas justement. Je sais pas. Non, non, Reims c'est un peu plus par là-bas. Je la mettrais plutôt au fond là-bas, pile dans l'axe. Ouais. Je suis en train de me dire, il est où l'aérodrome de Château-Thierry? Ah, on est passé, hein. On l'a passé tout à l'heure là. Ah. Ouais. Là, on a Châtillon, là je vois le bord de Châtillon. Ah, c'est le bord de Châtillon là? Oui, il est dans le carré. Voilà, dans le carré un peu plus clair derrière la forêt. D'accord. Okay. Juste là, sur la bouteille. Ok, nickel. Donc on est là, on est de Donc Juliette Golf pour quitter, passe avec l'Agnon. Alors, avec l'Agnon, Juliette Golf, 7000, au revoir. 7000, on quitte, au revoir, Juliette Golf, merci. Bon, ici j'avais prévu de monter 3005, mais ça fait un petit peu short quand même. Hein. Non, on reste. On va rester là. Et la fréquence d'après Ouais. Bon. Tu sens pas qu'on a un problème en moteur là? Non. Non? Non, qu'est-ce qu'il y a? Un petit problème en moteur là, non? Non, c'est quoi? Non.
Bah, je pense qu'il va falloir qu'on se déroute un petit peu là. Ah, ah ok. C'est la mise en scène. C'est ça. Ok. Et après là je te l'ai fait soft. Ah, ok. Allez, il est 14h02. Ah, c'est là, c'est Rennes là en face, je vois Rennes. Ouais, certainement, ouais. Effectivement, là, ça devient une grosse masse. Ouais. Donc, on a deux, en fait, on a trois endroits. Soit on va à Arras. Ouais. Bon, mais c'est pas intéressant. Soit on va sur celui de droite. Ouais. Mais c'est pas intéressant non plus. Ok. Donc, je te laisse deviner sur lequel on va aller maintenant. À gauche. À gauche, ouais. Soissons. Soissons, okay. Exactement. Donc, je vais... On est là, on est là. Ok, je vais continuer un peu jusqu'à un peu avant Reims. Ouais. Après, je vais prendre une côte. Moi, je prends dès maintenant. Dès maintenant, ouais, parce que ouais. Si tu vas à Reims, là, on va allonger considérablement. Ouais. Non, donc là, on est là. Je vais à peu près, c'est pas entre, entre le nord et 360, ça fait 300 à peu près pour le moment. Non, ça c'est le nord, on est là, nord entre 1270, un peu plus, 330, 320 jours. Pour le moment, à gauche, il n'y a personne. Donc c'est une information de Fox Nord Alpha. Paris Info, ça. Paris Information de Fox Nord Alpha. Novembre Alpha, Paris Info. Oui, donc novembre Alpha, nous sommes 3 minutes à l'est de Château-Thierry, nous nous dirigeons vers Soissons. Je traverse une route et j'ai le chemin de fer, il est haute tension. On est presque par là, dans ce, sur ces trucs-là. J'ai 20 minutes à peu près, il est 10 minutes. Donc à 5 à peu près à 15, on arrivera vers à 15 à peu près. D'accord. Donc toi tu m'annonces à 15. Ouais. L'autre s'est fermé l'application. Et là, par exemple, dans des zones comme ça, il n'y a aucun repère. Non. Enfin, s'il y en avait des bons au départ. Oui, là, c'est bon sur les... On est passé sur les hautes tensions, les chemins ferrés et la route. Ouais. Là pour le moment, là, pendant quelques minutes, on n'a rien. Non, après, c'est vrai que ça va être difficile. Ah, merci. Ah, bah après, c'est un bon exercice de déroutement. T'as un très bon point de départ, t'as pris une bonne route. Ouais. Enfin, une bonne route, t'as fait un choix, je veux dire, il est bien machin. Donc, voilà quoi. Bon, à côté de ça, on arrive sur Soissons. Ouais. Après là, il y a les éoliennes qui sont là-bas. Ouais. Ça. Ouais. Donc là, je vais faire un peu plus à gauche, moi je dirais. Je vais juste un peu mon cœur. Je trine un peu, après je suis plus tranquille. Voilà. Donc je dirais que je vais un peu à gauche à 70 pour le moment. Après oui, j'ai pas pris le rapporteur, mais on va y arriver. Là, il y a un petit trou de contraverse. On est dans cette direction-là.
on est vers là. Et il faut voir la ville, il y a un petit peu ici. Finalement, je les pèle un peu quand même, enfin pèle. Fais pas chaud. Kilo Golf, Paris, information, bonjour. Fox Golf, India, Kilo Golf, un DR400, 3 personnes à bord, de retour d'un vol local où on était avec Deauville, qui je crois vous ont appelé. On est à 8000, près de 8500 pieds, en montée en fait pour passer au-dessus. On devrait, si vous le permettez, entre 8500 et 9000 pieds pour être au-dessus tranquillement pour rentrer sur Paris. Ah, vous pouvez rester au 85. Reste au 85, merci. Donc, Soissons, il est ouvert à la cape. Tu prépares la fréquence, s'il te plaît, la fréquence prochaine. Elle est prête. Il y a 500... Kilo Golf, vous êtes identifié radar. Il y a 500 latitude. Merci, Kilo Golf. Ça se fait par le sud. On a vu ce gazonné 0725. Et c'est à l'extérieur de la ville, à 1500 pieds. Main gauche, a priori le vent il est... le vent il est par la vent ouest. Donc le vent... c'est à 25, donc ça sera a priori 25, main gauche. Donc en tout cas, on va commencer par une verticale de 1000 pieds. La manche à air se trouve... piste de la gazonnée de la 07. Et par rapport à la ville de Soissons, il est un peu avant la ville. Ça doit être par là, la ville de Soissons, on la voit pas. Ouais. Donc il est là, donc la piste 0725. En vente arrière, je vais 069. Et maintenant, il faut voir la ville, et je pense qu'il pleut là-bas. S'il pleut, je remets la gaz, je touche pas. La piste est gazonnée. C'est une gazonnée, ouais. Oui, donc en finale, on fait le final, intégration, et en finale, s'il pleut, je touche pas au cas où ça glisse. C'est comme tu veux. À 500 pieds sol, je remets les gaz, donc à 1000 pieds, oui, à 1000 pieds FNH, je remets les gaz s'il pleut. Parce que là, je pense qu'il pleut là-bas. Elle est longue, hein, la piste, hein. Elle fait 700, presque 800 mètres, hein, sur la 25. D'accord. Et là, ça devient très, la ville de Soissons, ça devient très, là-bas. Ouais, donc, là, c'est ce que je dirais aussi. Et la piste. 07, donc à peu près est-ouest, donc elle est un peu dans l'axe. Et je me demande si c'est pas ce truc-là qui est en face de nous. C'est possible. Donc on bascule à faire la fréquence. Vu ce que tu m'as dit, ça tiendrait la route. Donc on bascule avec la clé, on peut y aller, on bascule avec eux.
Paris, information du Fox November Alpha, en principe 5 minutes de 60, on passe en fréquence avec eux. Kilo Golf ? J'ai reçu Kilo Golf, je prends ta fée, 50. Paris, information du Fox November Alpha ? November Alpha, je vous écoute. Donc Paris Info, le Fox November Alpha, 5 minutes de 60, pour passer en fréquence avec eux. Reçu November Alpha, vous affichez 7000, vous pouvez quitter. Au revoir, bonne journée. 7000, on quitte, on vous rappelle après la montée initiale quand on quittera le circuit. Reçu. Voilà. Tiens, t'as vu, il l'a changé, il est à proximité de 60. 60 de Fox November Alpha, bonjour. 60, le Fox November Alpha, Fox Golf November Alpha, DR400 en provenance de Château-Thierry à 4 minutes en passif de aux installations. Nous avons un visuel sur la ville, pas encore le terrain, rappellerons en vue. C'est pas le terrain là ? Non. Alors il est pas là. Ok, je vois, enfin je sais à peu près où il se trouve, à peu près. Ah, pas de pas. Oh, ça bouge. Je me demande si... Non, c'est pas ça. Encore que. Il y a une route là entre, le terrain et la ville. Ouais. T'es descendu à 2000, bon. Nickel. Ouais, donc ça c'est la route, ça doit être un peu plus à gauche. D'ailleurs. Ouais, c'est ça, un peu plus à gauche, ouais. Il y a de l'eau à côté, c'est avant l'eau. Ça va être là-bas. Soit le truc dégagé dans le truc là, soit dans le truc dégagé par gauche. Ouais, il y a des petits reliefs, c'est une ligne de chemin de fer en principe. Si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est ça, il faut qu'on fasse la ligne de chemin de fer. En fait, il faut qu'on passe pile au sud de Soissons. On va passer au-dessus d'une voie ferrée qui est à côté d'une route. Là, j'ai deux routes, j'ai pas à voie ferrée, j'ai des hautes tensions. Et les hautes tensions vont croiser un chemin de ferré à un moment. D'après lui, on est encore à 3 minutes. Ah ouais. Donc voilà, donc là on va passer sud de Soissons. Donc le but c'est pas de trop se rapprocher de la ville, il est quelque part à gauche. Il y a des petits reliefs, je sais à peu près où il est mais j'arrive pas à le voir. Ah, il est un peu bien plus à gauche j'imagine, donc on va aller un peu à gauche. Soissons du Fox November Alpha, on est vertical, enfin au sud de la ville. On est en principe à 2 minutes du terrain, on le cherche, pas encore de visuel. Altitude 2000 pieds. Il est en face de nous en fait. Ah si, je crois que c'est ça alors. Non, ça peut pas être ça. Ah oh, la vache! Ah si, ça y est, c'est ça, ok, visuel. 60 de Fox November Alpha, visuel sur les installations, 2000 pieds, nous sommes à 1 minute de la verticale pour reconnaissance intégration. Tu le vois? Je pense que c'est là-bas, juste en face. Devant nous en dessous là. Ah, juste devant nous en dessous, sous le capot. Ah, je vois la piste là. Voilà. Donc on arrive par la 25 quasiment là. Ah. Donc en fait, sur le tour de piste, on va être bordé à droite par la route là. Ouais. Donc par le sud, par ce côté là. Tu la vois cette... Oui. Ouais, on va virer à gauche là. Enfin, si on fait la 25, on va avoir confirmation.
Mais la grande route qui est à droite, elle borde notre tour de notre. Oui, on va faire 25. On va faire 25. Et tour de piste par ce côté-là, à gauche. C'est ça, à gauche, ouais. Ok. Et donc là, je suis dans le sens d'atterrissage. Voilà, quasiment, ouais. Oui. Un iota après. Donc si je suis dans le sens d'atterrissage, le vent arrière, je vais aller chercher le vent arrière là-bas. Ouais, regarde, on ramène la manche à air. Ok, ça a l'air d'être bon. Elle est où la manche à air? À côté du bâtiment, là, je la vois. Juste à côté de l'avion. Enfin, t'as le bâtiment, t'as l'avion, il y a la manche à air. Oui, d'accord. Donc confirmé, 25 confirmé. Ouais. 60 du Fox November Alpha, 2000 pieds vertical terrain, donc reconnaissance pour la 25. Nous nous éloignons et nous faisons une intégration, donc circuit par la gauche pour un toucher sur la 25. On rentre dans une minute. Une minute d'éloignement. 30. Et on est encore sous un nuage qui nous balance de la flotte. Ah. Bien joué, Yoann, très bien joué. Altitude à 1500. Donc, alors en fait, ce qu'il faut savoir à 60, tu vois le village qui est en bout d'aile à gauche, ouais, là, ouais. Faut pas y passer au-dessus, c'est un terrain sensible pour ça. Les villageois, ils aiment pas du tout. Okay. Donc en fait, là, en gros, on va passer sur l'étape de base de la 07, hein. Donc on va s'éloigner encore un peu. Et tu prendras le village là-bas à gauche comme repère pour la vente arrière. Et okay. Je crois qu'il soit bien à ta gauche. Je tourne à gauche avant le village qui est là. Ouais, si tu veux. Tour de piste, il est à 1500. 1500. Donc tu vois le village là-bas, ça sera l'entrée de la vente arrière, hein. tu l'as bien sur ta gauche. Ouais. Celui qui est juste à gauche, là. 70 en vente arrière. Ok, visuel sur le terrain. Avant le village ou après? Avant, enfin tu restes comme ça, tu te mets à 90, on a traversé là. Et quand tu as passé le village, tu viens. Je continue, le virage continue. Ah ouais, ouais, ouais. Non, bah, tu te mets comme ça, là, en face. Ah. Voilà. Là, on est sur le traversier, là. Ouais. Bah, dis donc, il nous manque pas, lui, hein. Ouais. De toute façon, Fox November Alpha, nous sommes en traversier. Voilà, après, comme ça, tu vas bien enrouler le village, là, puis après, on sera en vent arrière. Perdu du non, c'est la prouvée. Il est à gauche, là, derrière les grands bâtiments. J'aurais viré avant, on est très loin. Ouais, non, mais après, ça nous permettra de nous installer tranquillement, parce qu'après, t'as d'autres trucs aussi, qui sont susceptibles, enfin, qui sont sensibles. Si on se met trop près, on va passer au-dessus des... Tu vois, regarde, cela. Donc, on se met à droite, on déborde tout, on est tranquille. Voilà. Tout le monde, il est content. De toute façon, Fox November Alpha, début de vente arrière pour un toucher en 25 en main gauche. Je vois pas d'appareil dans les environs. Le terrain, il est quelque part à gauche là-bas. Donc en gros, les patelins, on les évite. Et quand tu vas voir devant toi la route qui remonte comme ça là, en fait elle te sert de base quasiment. Mais j'ai perdu le terrain. Non, il est devant toi à gauche là à gauche. 45 degrés à gauche, t'as les bâtiments, t'as les hangars. Juste là. Ah, je vois rien. Ah oui. Et attention, t'es en train de converger. Oh. Donc en gros là, on va passer le château qui est en dessous, ça nous sert de point d'enroulement et on vire à gauche en évitant le patelin qui est là-bas. En gros, tu cherches la route qui est derrière, tu vas la voir, elle te sert de base.
avant la grande ville, je tourne dans... Alors juste avant, en fait, non, tu enroules cette ville aussi, là, et tu passes quasiment au-dessus de la route. Ce qui fait que ça fera peut-être une finale un poil plus longue, mais bon, on passe pas au-dessus des villes, quoi. De toute façon, Fox Novembre Alpha, on est en base pour un toucher 25 en main gauche. Donc altitude 518. Nickel. Défendre un petit peu quand même, non? Là, sinon on est cassé à hauteur du tour de piste. Hein. Nickel. De toute façon, Novembre Alpha s'établit en finale pour un toucher 25. Là, je vais remettre les gaz. D'accord. Donc altitude du tour du terrain 500 pieds. Tu leur mets quoi, 750, 700? Ouais. Bon bah c'est nickel là. Allez, remise de gaz. Assiette, essence, pied à droite, G70, je rentre un cran de volée, pied à droite, réchauffe carbu. Je charge 89, j'ai un cran de volet, j'ai la pompe, j'ai le réchauffe. 640 pieds, c'est nickel. 24. De toute façon, 2 fois novembre alpha, finalement c'est un exercice de remise de gaz. Nous sommes en montée initiale. Je rentre les volets. Oh. Alors, la route suivante. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça sera du 266. Pour 12 nautiques, à moins que t'as envie d'en faire. Il est 14h23. Ah, bah, tranquille, ouais, on y va. Bah, dans l'ouest, hein, d'août, ça, on est presque dans l'axe. Ouais. Donc, j'ai ça, c'est bon, tout est dans le vert. Tout est dans le vert, on continue. Ok, donc mon altitude suivante, bah c'est 2000 pieds. Donc si on allait à gauche là-bas vers Villers-Cotterêts, on monterait, mais comme c'est pas le cas, on reste à 2000 pieds. Voilà. Et ça, c'est l'antenne qui est à côté de Moret. De Villers-Cotterêts. Ah, oui, pas du tout dans Moret, pardon. Ça ressemble à l'antenne, la grande antenne qui est à côté de moi. Là où on était allé une fois, c'était pas Moret? Non, mais d'accord. Pont-sur-Yon. Pont-sur-Yon, ouais. Ouais. Mais c'est pas ça. On n'est pas encore tout à fait parti. Alors en principe on est sur 125,7 là. Ah oui. Ils ont pas fait changer finalement, tu vois. Ah s'ils nous ont pas fait changer, il n'y a pas de raison qu'on change. Bah, quitte avant la fréquence. Hein. Alors. On va voir. On va voir s'ils nous captent. Mais t'as pas dit je quitte, t'as pour... Non, mais je vais guider. J'attends qu'on soit à 2000, voilà. C'est pas sur la fréquence. Façon du Fox Novembre Alpha, 2000 pieds, nous quittons le circuit en direction de l'est, de l'ouest, pardon. Au revoir, bonne fin de journée, bon voilà tout. Paris Information du Fox Golf Novembre Alpha, rebonjour. Novembre Alpha, Paris Information, bonjour. Donc le Fox Novembre Alpha, nous venons de quitter 60, route vers l'ouest, altitude de 2000 pieds pour revenir en fréquence avec vous. Reçu.
vous affichez 70-16, 70 unité 6. 70 unité 6 au transpondeur, sur ce moment-là. Donc, je t'ai dit qu'on allait prendre cette route pendant 12 nautiques. 12 nautiques, ça fait 6 minutes, donc de 27 à 33. Donc 14h ou 23, oui, alors ça c'était depuis le point de départ. Oui, hein. Il était 23, on va dire un maximum à 30. Alors en fait, tu vas me dire ce qu'on va trouver. Novembre Alpha, vous êtes identifié radar. Identifié radar, Fox Novembre Alpha. Ça plaît, Johan, ça plaît. Il pleut pas ici? Non. Juste là-bas, et j'ai peur avec si la piste est très mou, molle, et je sais pas, je veux dire, l'exercice est de trouver, c'est pas oui, et l'intégration, pas l'intérieur. Oui, de toute façon, là, on était bon, je pense, hein, donc t'avais le plan et tout. Si avant il a plu beaucoup, la piste n'est pas glissante, soit très molle, oui, t'as raison. Pas besoin. Et puis faire un exercice de remise de gaz, ça reste intéressant aussi. Alors... Toi, t'as vu le notam? Parce qu'en plus, moi, j'ai pas vu le notam de 60, donc je sais pas s'il y a quelque chose. A priori, non. Ah. Alors, 60, ici... Donc, on revient sur la nav. Sur notre jeu, 60 là, 270... Ah ben, je vais récupérer la carte. Voilà. Bon, satisfait du déroutement? Très bien, nickel. T'es arrivé à destination, tu l'as... Ah ouais. On l'a trouvé. Ouais. Après le terrain, c'est pas... Oui, c'est pas facile de... Toujours les pistes gazonnées. Ouais. Oui, toujours. C'était ouais. Pas facile. C'est toi qui l'avais en premier, mais en tout cas, c'est pas mal. Ben, à chaque fois, je le trouve jamais là où je le cherche. Ouais. Et il est toujours plus près que ce que je cherche. Oui, effectivement. Et moi, je pensais que je cherchais un peu plus à gauche et plus loin. Et il était en face... Ouais, tu vois, j'ai pas été vache. Hein. J'aurais pu le laisser passer la verticale. Ouais. Il est là-bas? Ah non, on vient de passer. Ouais. Ah oui, je l'aurais pas vu. Ah, visuel sur ce que je cherche. Visuel sur ce que alors, altitude de sécurité, 1200 pieds pour le visuel sur ce que je cherche. Enfin, on peut descendre à 1200 pieds en fait. Ouais. Ça sera même d'autant plus intéressant si on descend à 1200 pieds. Okay. Et pas moi. Ouais. Dans une minute. Ouais, le château qui est là. Ben oui. Je lui dis, on descend pour prendre des photos. Ouais. Mike Fox, Paris Information, bonjour. Bonjour madame, le Fox Juliette Alpha Mike Fox annuel MVL3 en provenance de Bordeaux sur 4 Lima Fox Charlie Sierra, destination de Eco Bravo Alpha Mike donc sous temps de l'ombre est libéré par Tati en 7 800 mètres de rien. Il reste dans les yeux. Parce que là c'est libéré mais de l'autre côté t'as la ville. Donc en fait tu prends comme ça, tu t'éloignes un peu et après tu reviens. Voilà, enfin là on est bon. Fox, Mike Fox, vous affichez 70-10. 70-10, Fox, Mike Fox. Ah, je prends les photos, je fais le message. Ouais. Scène Info de Novembre Alpha, Paris Info de Novembre Alpha, on descend 1200 pieds pour faire des photos. Reçu Novembre Alpha, vous descendez à convenance en assurant votre séparation. Ah, merci madame, reçu Novembre Alpha. Donc tu vois en fait, ce château il est bien, de côté droit il est complètement libéré donc tu peux être proche. Ouais. Mais après c'est quand tu es de l'autre côté de la ville, il faut voir un rayon d'à peu près 800 mètres, 1 km. Donc, donc en fait tu pars vers là-bas, vers le bout du champ comme Fox, ça. Mike Fox, et après tu vires et tu remontes comme ça assez large. Et après une fois que tu seras sur celle-là, tu pourras resserrer un petit peu et on partira. Et là de toute façon on est bien, regarde. Hein. Toi, tu vas tourner sur le début de la forêt là-bas, c'est nickel. Profitez-en bien sûr. Bon, il n'y a pas de nuages à l'horizon vers l'oignon. Ah. Il est bon là. Ah, il est beau hein. De toute façon, je te dirai quand tu fais le virage. Celui-là, je le sais parce que je l'ai bien étudié 2-3 fois. Ça s'appelle comment le château? Pierrefonds. On ne me demande pas de quelle année il est, j'en sais rien du tout. Même sans d'histoire. T'as vu ça un peu là? Voilà, tu continues tout droit là.
Et après tu vas enrouler la ville. Je remonte en descendant un peu trop, j'ai pas fait attention. Et je retourne. Voilà, regarde-moi ça. Maintenant toi tu pilotes plus haut. Voilà, enroule bien vers là-bas. Voilà, quand t'as passé ce truc-là, hop là, tu reviens tranquillement. Voilà. Le gros de la ville, il est là. Donc Roméo Victor, pour votre information, dans 3 minutes, 1500 pieds, QNH Max. Oui, tout à fait, je rentre dans la zone. Je comptais amorcer la descente à la verticale de son train. Information reçue, Fox Mulder. Donc ça en vaut une heure pour Annecy, qui est un trafic de la droite vers la gauche, et qui est 700 pieds en tout bout. 700 pieds, ok. 700 pieds, 700 pieds, ok. Merci. Fox Mulder. Nickel, voilà, on rame un tout petit peu. Fox Romeo Victor, le trafic est croisé. Fox Romeo Victor. Voilà, reste bien là, il y a encore une partie ici là. Et la route suivante, on va vers Utella en fait, au 180. Voilà. Ah, donc tu peux virer. Il y a une antenne en face. Et l'altitude pour ça, c'est 2000 pieds. On rentre après un direct, hein. C'est ça. Bah là, on fait une directe du Tella, ouais. La sud. Bon, alors si tu connais bien les circuits, tu passes par Meaux, enfin, comme tu veux. Ah, oui, 34. Pour l'essence, il nous reste une heure et demie, un peu même pas. Donc, et pour rentrer, il nous faut combien de temps pour rentrer d'ici? Alors là, j'ai 15 minutes pour aller à Utella, plus 6 minutes. Okay. Ça fait 20-25 minutes max. Super. Donc derrière, au fond, là-bas, on a Compiègne. Ah oui. Donc là c'est pas compliqué, c'est bien sûr. De Fox Romeo Victor pour quitter la présence. Monsieur Romeo Victor, vous affichez 7000, vous pouvez quitter. Bon après-midi monsieur, au revoir. J'affiche 7000 et merci pour le service. Au revoir. Donc en fait le seul truc à mon avis, je crois penser à descendre à 1500. Donc Kilo Golf dans 9 nautiques, 2500 pieds QNH maximum. Okay. En 2500 pieds QNH maximum, c'est bien pris madame. À quel moment il faut descendre? Ça c'est toute la bonne question. Je dirais dans... Combien de temps l'heure j'ai dit? 7 minutes, 14 minutes. Dans maximum 7 minutes. Donc c'était 34, 41. On le verra là-dessus, mais on va essayer de jouer le jeu. Là. On va essayer de voir de toute façon ce qu'on a sur le côté. Hein. On va avoir Villers-Cotterêts sur notre gauche. Villers-Cotterêts c'est pas compliqué, il est à gauche là. La grande ville là c'est quoi? Voilà, et c'est ça en face, on a donc ce patelin qui s'appelle Crépy-en-Valois. Enchanté. Et on va passer au-dessus d'une ligne de chemin de fer, pour confirmer. Je confirme. Non c'est pas ça.
On découpe perpendiculaire. Boum, comme ça. Et il y a une grande route juste à côté. Donc là, en gros, on devrait voir la voie de chemin de fer et la route. Ouais. Là, t'es sur du 190, ouais. Ah ben ok, Villers-Cotterêts, c'est ça en fait. Ok, ça c'est Villers-Cotterêts, je reconnais. J'y suis passé, donc je sais ce que c'est. Là, il y a un an. Ok, donc là, on arrive... C'est bizarre, il n'est même pas indiqué, ce patelin. Il n'y a pas de la flotte quelque part, là? Non, là, j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu c'était... Et là-bas, en face, il y a un truc carré. D'accord. Et là, il y a un pays à air de repos. Ok, bah c'est bizarre, c'est pas indiqué sur le vol. Et le chemin de fer, c'est un peu d'entrée. D'accord. Là, c'est l'autoroute, hein, il y a une autoroute là. Ouais, ouais, ouais. D'accord, la ligne de chemin de fer, elle est derrière en fait. Villers-Cotterêts, on arrive. Le chemin de fer, elle est là. D'accord, ok, c'est ça. D'accord, donc en fait, on est là. On est ici puisque la voie de chemin de fer elle part comme ça. Bon donc on est à peu de choses, on est sur la route, hein, un Yotan Mollet de Cricri. Le plus proche aéroport d'ici, c'est quoi? Celui qui est à droite, le Plessis. Ouais. On est ici, il est sur nos avant-droits là-bas, quelque part. Au niveau de la forêt, je pense. On est vers où, pardon, hein? On est où? On est ici, là. Ouais. Là, quelque part, là, sur ce tronçon. Et il est sur nos avant-droits là-bas. Ok, il y en a qui se terminent dans la nature alors, je savais pas qu'il donnait ça lui. Donc là je descends en 1500 déjà. Si tu veux, ouais. Encore un peu. Donc en fait la bordure elle est là, tu vois, on en est encore loin. Kilo Golf Paris. Fox Golf India, Kilo Golf Paris. Kilo Golf, pour votre information, dans vos deux heures pour un nautique, un trafic de la droite vers la gauche qui est 300 pieds au-dessus de vous. Tu peux, j'arrive pas à me positionner. En dessous de vous, pardon. Qui est 100 pieds en dessous de vous. Fox Kilo Golf, dans vos deux heures pour un nautique, un trafic de la droite vers la gauche, 100 pieds en dessous de vous. Alors, Crécy. Donc là on est quelque part par ici, on va pas tarder à passer par là. Ok. Merci. À la louche, hein. Tiens, tu vois, il commence à y avoir des trucs en méandre là.
vois pas encore mot. Novembre Alpha, Paris. Novembre Alpha, je vous écoute. Juste pour savoir si vous étiez sur la bonne fréquence, donc je vous reçois 5. 5 également, Novembre Alpha. Donc là, il y a un petit patelin, on va peut-être l'éviter. Je sais pas où il est indiqué sur la carte, mais à partir de maintenant, on va en croiser quelques-uns. Donc ce qui m'ennuie sur cette carte-là, c'est que je sais pas si c'est des jaunes, des pas jaunes. Ouais. Donc là, tu vas te mettre au-dessus de là. Ah bah regarde, il y a un patelin avec la voie de chemin de fer. Ok. Ouais. Patelin avec la voie de chemin de fer, Villers-Cotelet, Le Plessis, c'est pas ici. Ouais, d'accord, ça peut être celui qui est là, ouais. Et là-bas, au fond, c'est pas bon? Probablement. Oui, c'est par là-bas, bon. Ouais. Je sais pas si c'est bon, mais c'est par là. Ouais, c'est moi, ça. Donc il y a une voie de chemin de fer, là. Ouais, c'est ça qui fait ça, voilà. Donc voilà, on doit être ici. Il doit y avoir une petite antenne ou un pylône ou quelque chose à 400 pieds. Et à partir de là, on a de la flotte qui nous sert de repère aussi. Ouais, on voit de l'eau en dessous. Ah bah, il y en a un autre qui est plus gros, ça se trouve c'est celui-là. Il y a un petit château. D'accord, donc on est plutôt par là. Ok, on est plus bas. Tu vas pouvoir commencer à descendre 1500 si tu veux là. Ok, on est là. Donc celui-là, c'était ce patelin là. On va passer entre Mont et Coulommiers. Ouais, non, on va tourner à Utella bien avant. Actuellement, on est encore un petit peu au-dessus là. Ok. Alors, attends. En fait, il y a un endroit, il y a une intersection de deux voies de chemin de fer là. On doit être là ici. Ah non, on est pas si près que ça. On n'a pas encore vu l'autoroute. Ah, c'est ça la chemin de fer. Ouais, c'est ça, on n'est pas encore là. Donc ici, on va voir donc les villes. Fox Mike Fox Paris. Non, c'est pas nous. Fox Mike Fox, j'écoute. Vous affichez 7000, vous contactez Seine Information sur 118.05. Okay, au revoir, bon après-midi. On n'est pas encore passé l'autoroute. 118.05 avec Seine, bon après-midi, madame. On est quelque part ici là. Tiens, il y a une espèce de grand bâtiment pyramide là, je sais pas ce que c'est. C'est pas en face, il y a une antenne. Ça te parle aussi, hein. Ouais. C'est ce que je pensais aussi. On va écouter la 10. Alors. On quitte, Attends, j'ai un trou de mémoire. Comment on fait pour écouter la 10 en même temps qu'on est sur la fréquence? Ah oui, c'est ça. Bonjour à toutes et à tous, ici Lone, information Fox, enregistré à 11h20 UTC. Bonjour Fox. Attention, câble de masse, ponce numéro 4, hors service. Prépare la fréquence 118.6. On passera avec eux, quand on verra l'autoroute, hein, quand on sera passé sur l'autoroute, ça y est, on y est. Donc on n'est pas loin du Tella, tu vois, il est 46. Hein. 46 plus 34 plus 13, d'ailleurs je l'ai même pas marqué. 34. Hein. 34. Après, il faut tourner à droite une fois. Paris Info du Fox Roméo Zoulou, bonjour. C'est ça la 4 Roméo Zoulou, ouais. Paris Information, bonjour.
Donc là, je vais faire la passe de son, ouais. Fox Golf Sierra Romeo Zulu en provenance de Saint-Cyr et pour un vol local vers le secteur nord-est d'Evreux. Romeo Zulu, vous affichez 70-03. 70-03, Romeo Zulu. Tactile, c'est bien, mais ça a de gros inconvénients. Après, ça bouge, ouais. Bon, je les appelle pendant qu'on joue encore. Paris Info du Fox November Alpha. November Alpha, je vous écoute. Oui, Paris Info, donc nous allons passer avec le secteur de Logne pour vous quitter. Monsieur, donc vous affichez 7000 et vous pouvez quitter ma fréquence. Bon après-midi. 7000, on quitte votre fréquence. Bon après-midi, au revoir, merci madame. Romeo Zulu, vous êtes... Donc là, ouais, c'est ce point qu'on reconnaît tous les deux, là. Alors c'est pas tout à fait UTLA, UTLA il est un peu plus loin derrière. Ça va? Ouais. Et on revient sous le soleil. Ouais. Fox Delta Tango, final 26 dur pour retoucher. Delta Tango, autour des touchés 26 dur, mon 250 000 résidents. Autour des touchés 26 dur, Fox Delta Tango. Tu vas sur le Colombie, c'est ça? Ouais. D'accord. Non, il fallait suivre, non? Ah bah on peut y aller par là, c'est plus rapide. Hein. J'ai hésité, oui, je pensais, après je me suis dit... Ah non, non, après là tu suis l'autoroute, elle te ramène direct. C'est bien là, à 4. Ouais. Il n'y a pas de doute, là j'ai reconnu la tour là avec les antennes. Il y a la quatrième en partant de la gauche, elle est abîmée. Bien trouvé, rappelez. Et là-bas c'est bien beau là. En courte, Fox Delta, merci. Fox Victor Bravo, en début de vent arrière pour un toucher. Victor Bravo, numéro 2, le précédent Cessna, c'est une petite pour vous. Tu restes, je te laisse faire la radio pour terminer. Et numéro 2, on rappelle en finale sur la 26 heures, Fox Victor Bravo. Ouais. Alors finalement, c'était le problème, Fox Victor Bravo. Ah, je prenais bien en l'air. Oui, je sais pas, au moment là, je dis, c'est pas là l'auto, c'est pas là. Le dernier vent, 250 degrés, 12 nœuds. Sans vous, si vous pouvez dégager, merci. Parce qu'il y a une autoroute à côté de Fontaine-et-Trévigny. En rentrant, à chaque fois, je me trompe, je pense que c'est la Fontaine-et-Trévigny, ouais, c'est la N4. Pardon, donc vous avez aucun intérêt, vous êtes. Oui, ouais, c'est la N4, ouais. N4 N4, c'est une nationale. Ah, elle est grande, elle est large, oui. Oui, mais à chaque fois je pense que c'est la A4, je commence à partir à gauche. Ah non, c'est pas celle-ci. Ah oui, effectivement. Bon, là oui, t'as encore ouais, t'as 20 km. Et Mont, ça c'est bien la ville de Mont. Ouais, c'est ça, oui. On était là-bas tout à l'heure. Il y en a le terrain quelque part à droite là-bas, je sais pas où exactement. Bah, il est, ouais. Là-bas. C'est pas souvent qu'on vole sans mettre un truc de GPS, hein. Ouais. Ouais, bon, ça fait très longtemps que j'ai pas mis de GPS. Là, c'est bon, là, j'ai mis le out, là, je crois. Mais là, c'est bon, on connaît, mais... Oui, ouais. Mais c'est bien, comme ça... On sait que, on sait faire au moins... Après, si c'est juste une balade pour parler comme ça, tu te prends pas la tête de regarder la carte. Oui, voilà, c'est ça, tu réfléchis. Enfin, tu l'as en secours aussi ou... Ouais. Bon, moi je l'avance au courant, il y a juste deux fois où je m'en suis servi parce qu'à un moment donné j'ai eu comme un doute et je voulais éviter qu'on éventuellement on perde un peu trop de temps, tu sais, enfin, pour s'assurer qu'on était dans les clous. Quand on était en approche de Soissons justement, pour savoir si on était vraiment dans l'axe, je pensais qu'on était bon mais je n'irais pas le voir. Ouais.
Et puis là, tout à l'heure, tu m'as fiché un doute. J'ai dit, mais mince, on est plus loin que je pensais ou quoi? Ah ouais, non. Mais ouais. Non. On était avant moi, et moi, je pensais qu'on est... Route, on est touché 26 durs, 240 degrés, c'est tout. Nous, il est touché 26 durs, une fois que Victor Bravo. Une heure de la descente, 1h05. D'accord. Pas plus la marge de 30 minutes, mais oui. Ouais. Donc c'est l'information Fox, et c'est toujours ça. C'est la 26. Ouais. Donc a priori, il va nous donner une directe. Ouais. Terrain, il est tiens, il est juste à droite le terrain. Oui, dans l'axe. Je vois. Il y a un appareil qui décolle, on dirait, ou qui évolue au sol. Non, il décolle. Ah. Ouais, c'est ça. Cinq minutes d'écho. Ouais, j'appelle quand on est vers le péage. Oh, on vient de passer la ligne de chemin de fer là. Alors, mot, le terrain, la ligne de chemin de fer, elle est là. C'est ça. Ouais, je prends pas la carte, hein. Alors ouais, ça m'impressionne. Fox, Victor Bravo, point d'exercice de PTU. Appelez pour débuter, Victor Bravo. PTU ou PTU? PTU, on rappellera pour débuter vers PTU. Novembre Fox Delta en vent arrière pour entoucher pour la 26 dure. Appareil à gauche. Numéro 1, 26 dure, novembre Fox Delta rapide. Numéro 1 pour la 26 dure, je rappelle en finale novembre Fox Delta. Le tour de Fox Novembre Alpha, rebonjour avec l'information Fox. Bonjour Novembre Alpha, 3730, rappelez Echo, trafic convergent, 6h1 nautique, Robin vers Echo. 3730, on rappelle Echo, on a un visuel effectivement sur le trafic sur notre gauche. Et l'un du Fox Delta Kilo Kilo Papa. Rebonjour, on a visuel sur le trafic revenant d'Echo avec Fox à 30 minutes. Kilo Papa à 3731, rappelez Echo. 3731, rappelez Echo, Kilo Papa. C'est génial. Prends-le, prends-le. Ouais. Bah, regarde, ouais, il est en train de virer là. Visuel sur l'appareil qui fait un virage. Merci. Bravo débuté, rappelé traverse sud, seuil 26 Cazenay. Rappel la traverse sud, 26 Cazenay, Fox, seuil, c'est bon. Et là on passe droite de Marne-la-Vallée. Si je la prends en photo, Marne-la-Vallée, elle est bien éclairée. Si je la retrouve, elle est où? Ah mince. Y a pas le ballon. Ah c'est ça. Donc faut qu'il soit en finale pour en toucher sur la 26 dur. On faisait le date, on est touché 26 dur en 240 degrés, c'est plus. Autorisé toucher 26 dur dans le delta. Bravo
autorisé 26 gazonnés, 2240 degrés. Tu ralentis pas déjà toi? Comment? Tu ralentis pas encore? Non, à Echo. Moi je ralentis juste avant Echo pour arriver vitesse vent arrière sur Echo. Après ça fait très court. Mike Victor Lund Tour, bonjour, on est niveau 26 dur, attendez. On s'aligne 26 dur, on attend Mike Victor. Décollage 26 dur, 230 degrés cette nuit. Autorisé, décollage 26 dur, Mike Victor. Radio Sol, Fox, Novembre Alpha, nous arrivons sur Echo. Novembre Alpha, exécuté pour direct 26 dur, numéro 1, rappel final. Nous approchons une approche directe 26 dur, en rappel final, Fox, Novembre Alpha. Lagné Tour, rebonjour du Fox, Golf Kilo, Victor Tango, à 3 minutes, tu prends Echo pour un complet. Bonjour Victor Tango, 37-32 transpondeur, rappelé. 37-32 au transpondeur et on rappellera Echo Fox Victor Tango. Lagné Tour, rebonjour, le Fox XJS. XJS, rebonjour, transpondeur 37-33, j'écoute. 37-33, Fox Golf, Fox XJS, un DR-400, deux personnes à bord, de retour au secteur Colomiers. Avec l'information Fox pour intégrer les installations. XJS, rappelez Echo. Rappelez Echo XJS. Ah d'accord, tu as certes le plomb puis tu descends, c'est ça? Kilo Papa, on passe Echo. Fox Kilo Papa, exécute approche direct 26, dur numéro 2, trafic passionnant Robin, tension finale, rappelé finale, piste 26, dur. Pas du tout, Fox Kilo Alpha, finale, piste 26, dur. Kilo Papa, vous avez reçu? Kilo Papa, j'écoute. Et je confirme exécuter approche direct 26 dur en numéro 2, trafic précédent Robin final, rappelé final Fox Kilo Papa pour la 26 dur. Et numéro 2, on rappelle le final 26 dur Kilo Papa pour direct. Fox Novembre Alpha, piste 26 dur, autorise atterrissage en 230 degrés 7-9. Autorise atterrissage 26 dur Fox Novembre Alpha. Bon, Fox Delta numéro 3, trafic précédent Robin, longue finale, rappelé final 26 dur, un TP approche Echo pour longue finale gazonnée. Numéro 3 pour la 26 dur, nouveau prise de vol, je rappelle en finale. Fox Victor, bravo, vos intentions? Possible pour une nouvelle PTE gazonnée. Reçu Victor, bravo, rappelez vertical face au sud pour débuter. Face au sud pour débuter, ça c'est Victor, bravo. Fox Victor Tango, c'est possible d'avoir la dure? Négatif Victor Tango, j'ai un appareil fin de vent arrière pour la dure, exécuté approche avec 26 gazonné en numéro 1, rappelé final 26 gazonné. On rappelle final 26 gazonné numéro 1, Fox Victor Tango. On est vertical pour débuter Victor, bravo. Victor bravo, débuté, piste 26 gazonné, autorisé touché, vent 240 degrés sinon. Autorisé gazonné, Victor bravo. Wow. Ça c'est de l'atterrissage. Tour de Fox Mike Victor en minute vent arrière pour un toucher 26 gazonné. Fox Mike Victor, un Robin approche Echo pour une longue finale. Bon du sol, 26 dur dégagé, de Fox Nora, le FAD demande roulage au parking Sadi. Un Robin en face de vous, vous essayez de passage et vous quitterez Sadi. Visuel sur le Robin qui roule, on cède le passage, on quitte à Sadi, Fox Nova Alpha. Mais j'étais un peu bas sur la glide tout le final. Ah bon, j'ai pas fait gaffe. J'étais un peu au-dessous, tout le final j'étais un peu au-dessous de Ah d'accord. Ah non.
pas fait attention. Ouais, mais... Après, je me suis demandé comment on voyait la vitesse en étant ici. Alors après, c'est vrai que quand je regarde sur celui-là, c'est pas terrible. Enfin, j'ai plus l'habitude finalement. Kilo Hotel, maintenant en point d'attente, et veillez 118 décimales 6 à tout à l'heure. Maintenant, avec 118 décimales 6 à tout à l'heure. Ah, il a fait un beau toucher aussi. Ah, nickel l'atterrissage. Très bien, je sais. Bon alors, content? Ah, très bien, compliqué. Très bien. Ça t'a plu? Ouais. Ah ouais. Ça désoriente pas trop de naviguer vraiment sans carte comme ça? Ah si, un peu, oui, si, un peu. Mais après, oui, tu m'as donné les routes, hein, surtout les deux. Que la partie que je vais vraiment naviguer. Tout. Ça, c'est que. Lone Sol, Foxtrot, Golf Mike, Indé Papa, bonjour. Golf Mike, Indé Papa, bonjour. Foxtrot, Golf Mike, Indé Papa, un Cessna 172. Au stationnement de Paris Aéro avec information Fox pour avoir la destination de Étampes, mes passages d'abord à l'essence. Roulez, quittez l'essence, India Papa. Bonjour José. Bonjour à toute l'équipe. J'avance jusqu'à l'essence et je quitte Fox, India Papa. Alors, qui va pas rouler et quitter votre parking, vous maintiendrez travers l'essence un 172 sans s'opposer. On roule au parking de Guillaume, on maintiendra travers l'essence, qui veut pas. Il n'y a pas, j'ai pas entendu la fin du message. Foxtrot, Indé Papa, je vais à l'essence et je quitte là-bas. C'est parfait. Lone Sol du Fox, Golf Delta, Echo Delta, bonjour. Golf Delta, Echo Delta, bonjour. Un DR 400, deux personnes à bord au parking L'Aigle, information de Fox pour rouler à la pompe. Roulez, quittez la pompe, Echo Delta. Je roule, je quitte là. Alors nous avons donc du 629 heures et 49 minutes. Allez, on enlève la caméra. Combien? 55? 54. On est plus près du 54 que du 59. Voilà, on va ouvrir. Ah. Monte une pipe, ça fait du bien. Combien à 1h40 quelqu'un là. Ah, quand même 1h46. Bon, il n'y a plus que... Merci pour ce vol et c'était bien, déroutement, Soissons, ouais. Beau terrain. Oui, moi j'aime bien. Ouais, c'est une tour de contrôle, il a une grande tour de contrôle, j'ai vu un grand bâtiment rond. Ouais, c'est ça. C'est quand même, hein, c'est un truc original. Il n'y a plus qu'à espérer que tout a fonctionné correctement. Au niveau de la technique, comme d'hab. Je pense qu'on a blessé. Attends. Ah, tu disais? Il m'a blessé. Là, je pense à ça. Si ma poule derrière l'oreille gauche. Ah bon? Ouais. Ça a frotté? Ouais. Ok, tant pis. Bon, bah écoute, content que ça t'ait plu. Très, moi très également. Content, très content. Le paysan, le château. L'hélice qu'on a vu à Château, le terrain, après le retour à côté de. Je passe très rarement par le nord, donc ouais. C'était bien. Ouais. Je ne savais pas si tu avais déjà été voir par là-bas, donc je me suis dit bon, c'est l'occasion. Une fois peut-être, mais oui, je ne connais pas, oui, très, très longtemps.